Tu sais, mon enfant, c'est assez surprenant. Y a-t-il une raison pour laquelle tu veux partir? Tu n'es pas heureuse ici avec nous. Non, ce n'est pas ça, papa. Je ne peux être plus heureuse ailleurs qu'ici. Alors reste. Maman, ce n'est pas comme si je partais pour toujours. Ce n'est que pour quelques jours ou semaines, juste pour chercher un boulot. Et comment peux-tu être sûre que tu auras un travail? Papa, ce n'est pas comme si je cherchais un gros boulot. Ça peut être domestique ou ménagère. Ou autre chose qui peut au moins me rapporter de l'argent. On dit que la ville est très dangereuse. Où vas-tu rester? Maman, je vais aller rester dans un hôtel pas cher. Moi? Une jeune fille? Dans un hôtel en ville? Papa, j'ai 24 ans. Et je pense pouvoir prendre soin de moi. Nous l'avons bien élevée. Je pense qu'elle peut bien prendre soin d'elle si elle veut y aller. Maman, papa, ne vous en faites pas. Je vais m'en sortir. C'est juste pour quelques jours, jusqu'à ce que je trouve un job. Mais si je ne trouve pas, alors je reviendrai. C'est d'accord. Quand comptes-tu partir? Demain matin, papa. Bon, on t'accorde notre bénédiction. Merci infiniment, papa. Merci infiniment, maman. Merci. Chérie? Oui. Oui, chérie, j'entends ta voix dans toute la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les stupides gens que tu appelles tes employés. Hein? Tout ce qu'ils font, c'est paresser comme des lézards. Ils ne font rien du tout. Tout ce qu'ils font, c'est manger, manger, manger. Ils ne travaillent pas. Non, non. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Tu n'as pas à t'énerver de cette Pourquoi façon. Ne m'énerverais-je pas? Pourquoi? Quand les gens sont incapables de faire une simple tâche. Juste un simple travail. Nettoyer la maison, ils ne font absolument rien. Chérie, je suis fatiguée de parler. J'en ai vraiment plus qu'assez de bavarder. Ok, chérie. Ok, s'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît, assieds-toi, chérie. Assieds-toi. C'est pas croyable. Il y a un truc que je voudrais te dire. Chérie, à qui sont ces valises? Elles sont à moi. Mon amour, mon fils, Oscar. Il vient de rentrer de Londres. Oscar, ma femme, Lady Di. Chérie? Mais tu ne m'as pas dit que ton fils revenait. Je ne le savais pas non plus. Je suis vraiment navré de n'avoir pas informé de mon arrivée. Non. C'est juste que tu aurais dû nous le dire pour qu'on puisse bien se préparer. Pour bien se préparer. C'est un plaisir de te rencontrer, enfin. Oui, moi aussi. J'ai toujours voulu te rencontrer depuis que mon père m'a dit qu'il allait se remarier. Désormais, c'est fait. Enfin. Enfin. Pourquoi ne montes-tu pas pour t'installer? On aura le temps de parler plus tard. Ouais. As-tu faim? Veux-tu manger quelque chose? Je t'appellerai non, plus tard. Non, merci. Je n'ai pas faim. Je vous verrai plus tard. Mais où est-ce que tu vas? Ta chambre est encore à l'étage. Eh bien, papa, cette fois, je pense que je vais rester dans l'un des appartements. Non, 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 non. En fait, tu peux rester ici. Ce n'est pas un problème. On va s'arranger. Écoutez, comme vous deux, j'aime mon intimité. Bon, j'imagine que je vous verrai plus tard. Je dois aller me doucher avant de me reposer. Une fois de plus, c'est un plaisir de te rencontrer. Lady Di. Chérie, tu as l'air tendue. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Tout va bien, je vais bien. Ça va. Pendant un moment, chérie, j'ai cru que tu connaissais mon fils. Non. Qu'est-ce qui t'a donné cette impression? Le regard que tu avais quand tu l'as vu. Oh... Chérie, je ne l'attendais pas du tout. Tu sais, et je ne savais pas ce qu'il penserait de moi. Tu vois, une jeune fille comme moi, mariée à son père et tout ça, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais voyons, chérie, mon fils a toujours voulu que je me remarie. Depuis 5 ans,
après que sa mère soit morte. Donc, il est content pour moi. Je l'espère bien. Bien sûr, tu sais, ma chérie. Nous sommes mariés maintenant depuis près d'un an. Et je t'aime tellement. Et c'est ce qui compte le plus. Donc, ne te tracasse absolument plus pour rien du tout. Je t'aime. Maintenant, laisse-moi t'amener dans la chambre pour calmer tes nerfs. Allez. C'est ton mari qui s'en allait? Oui. C'était ton père. Pourquoi est-ce que tu me fuis? Qu'est-ce que t'as fait? Écoute, ce n'était pas de ma faute. Oh. Je vois clairement ça. Bon. Que voudrais-tu manger? Je n'ai pas faim. Je vais sortir, dis-moi où je peux trouver les clés des voitures. Ça signifie que tu sortiras avec ma voiture. Non, merci. Je prendrai une autre. Ne fais pas ça. Arrête, arrête. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, bébé. Seigneur. Allez, bébé. Je sais que tu en as envie autant que moi. Tais-toi. Tu es la femme de mon père. Va au diable. Va au diable, va au diable, va au diable. Tu connais les implications de ce que tu veux que je fasse. Tu les connais? Oui. Du sexe entre deux adultes. Allez, bébé. Tu es scindé. Je veux que tu partes de cet endroit sur le champ. Bébé, voyons, ne sois pas comme ça. Tu me désires. Je ne te désire pas. Non, je ne te veux pas. Hors de ma vue, éloigne-toi de moi. Sors d'ici. Ma fille, tu es en train de penser à ta mère? Ah, maman, je ne t'ai pas entendu venir. Oui, je le sais. Est-ce qu'elle te manque? Elle me manque. Ça me manque de ne pas connaître la femme qu'elle était. Dis-moi, quel genre de femme était-elle? Eh bien, c'était une très belle femme. J'en sais plus que toi. Merci, maman. J'aurais voulu qu'elle soit toujours en vie. Moi aussi. As-tu fini de faire ton sac? Oui, maman. Mais, maman, et la famille de mon père?
Ma mère n'a-t-elle rien dit à son sujet? On n'en sait rien. Attends, donc mon père pourrait encore être en vie? Peut-être. On ne sait rien du tout. Essaye d'aller dormir maintenant, pour pouvoir te lever tôt. D'accord, maman. Bonne nuit. Oh mon Dieu, est-ce que vous allez bien? Je suis vraiment désolé. Je peux vous conduire à l'hôpital? C'est bon, je vais bien. Je vais bien. Oh, vous êtes sûr que... Où est-ce que vous allez? Laissez-moi faire quelque chose pour vous. Je n'ai nulle part où aller. Je ne suis pas d'ici. Je cherche un boulot. N'importe quel boulot. Eh bien, peut-être, je peux peut-être aider. Vous pouvez m'aider? Oui. Merci beaucoup. Oh, montez dans la voiture. Donnez-moi ça. Montez. Comment est-ce qu'une sale guenon s'est-elle retrouvée dans cette maison? Où sont les employés? Qui est-ce qui t'a ouvert le portail? C'est... Oh! T'es une voleuse? Non. Tais-toi! Je ne suis pas une voleuse. Qui t'a permis d'entrer ici? Maria? Madame? Maria, on dirait que tu veux perdre ton boulot. C'est comme ça que tu laisses entrer n'importe quel chien errant dans cette concession? Elle n'est pas un chien. Oh, Oscar! Je pense qu'il est très méchant et même horrible de traiter un être humain de chien. Surtout si tu ne sais même pas qui elle est. Tu la connais? C'est mon amie. As-tu quelque chose contre elle? Moi? Non. Bien. Maria, tu as déjà fini? Oui, monsieur. Je dois juste aller chercher votre repas. Très bien, alors. S'il te plaît, conduis-la à mon appart. Oui, monsieur. Tout de suite. Viens. Viens avec moi. Viens.
Maria? Monsieur? Comment elle va? Elle va bien, monsieur. Elle prend son bain maintenant. Ah, ok, ok. C'est bien. Et comment sont les pyjamas? Bien, bien. Elle en a pris un pour porter. Et je lui ai dit que je laverai celui-ci et le ramènerai demain. Oh, ça c'est bien. Merci, merci infiniment. Ah, aucun problème, monsieur. Je vais y aller maintenant. Oh, ok. Vous voulez quelque chose? Non, 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 ça va. A-t-elle mangé quelque chose? Oui, elle a mangé. Et très bien même, monsieur. Ok, merci beaucoup. Oui, monsieur. Merci. J'imagine que je la verrai demain, alors. Oui, monsieur. Bonne nuit, monsieur. D'accord, bonne nuit. Mais dire... Je voulais qu'on se parle avant que tu ne sortes de la maison aujourd'hui. On ne s'est pas vraiment assis pour parler depuis ton retour. Je crois qu'on doit avoir une discussion entre père et fils. De quoi voudrais-tu me parler, papa? Tout d'abord, je voudrais connaître tes plans. Maintenant que tu es rentré, où veux-tu continuer à vivre ici pour le restant de ta vie? Voudrais-tu que je parte de chez toi? Je n'ai pas dit ça. Oui, je sais qu'on a eu des différends et tout ça. Mais tu es resté à Londres pendant 3 ans et maintenant tu es rentré. Veux-tu chercher un emploi? Faire des affaires? Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce vraiment une mauvaise question qu'un père puisse poser à son fils? Je te le ferai savoir quand j'aurai décidé quoi faire. Bon, très bien si tu le dis. Il y a autre chose que je voudrais te demander. Que penses-tu de ma femme? Je ne comprends pas. Eh bien, ton opinion sincère, mon fils. Tu es là depuis quelques jours. Tu l'as observée. Que penses-tu d'elle? Eh bien, je ne sais pas, papa. Écoute, si tu l'aimes et qu'elle te rend heureux, moi, ça me va. Mais si tu demandes si elle comblera le vide d'une mère, alors ça, c'est un gros non. Pourquoi dis-tu cela? Je l'ignore, je sais juste qu'elle ne peut pas. Es-tu en train de dire qu'elle n'est pas assez bien pour être mon épouse? Ce n'est pas ce que j'ai dit, papa. Ce que j'ai dit, c'est que... Je sais ce que tu as dit. Et je sais ce que tu voulais dire. Tu penses que comme elle est jeune et belle, c'est une croqueuse de diamants, pas vrai? Admets-le, avoue-le, fiston. J'ai vu comment tu l'as regardé le jour où tu es arrivé. Voyons, papa, arrête de me prêter les mots comme ça. Je n'ai rien contre elle. Si elle te rend heureux, alors c'est bon pour moi. Et attends, tu... Iva, voici mon père, papa, Iva. Bonjour, monsieur. Ravi de vous rencontrer. Ravi de te rencontrer aussi, Iva. Qui est-ce? C'est mon assistante personnelle, papa. Oh. Ah. Assistante personnelle. Désolée de vous avoir dérangé. Oh, ce n'est pas grave. J'ai tenté de partir. J'espère avoir des nouvelles comme tu as dit. Bonne nuit. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Pourquoi? Pour le... Pour... Le boulot. J'ai jamais rien fait de la sorte avant. Eh bien... Tu apprendras. J'ai même pas de qualification. J'ai jamais été à l'université.
Ce n'est pas important. Tout ce que je veux, c'est ta capacité à apprendre. Je l'ai. Oh oui, c'est vrai. J'ai la volonté d'apprendre. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. bon, que voulez-vous que je fasse aujourd'hui? Je vais y réfléchir. Chérie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tout ce tapage? Ce n'est pas comme si je te demandais le monde. Tu trouves que te donner 400 000 naira pour le shopping sans une boutique, sans oublier que je t'ai donné 250 000 naira il y a de cela 3 jours. Et? Je suis une femme sophistiquée. Pas une fille vulgaire. D'ailleurs, tu le savais avant qu'on ne se marie. J'ai des besoins et du goût. Je suis une femme classe. Tu savais tout ça avant qu'on ne se marie. En fait, tu as dit que c'était l'une des raisons pour lesquelles tu m'as épousée. Alors pourquoi parles-tu comme si j'étais une vulgaire fille? Je n'ai pas dit ça. Toutes ces choses que je fais, tous les jours, juste pour être belle, c'est à cause de toi. Parce que je veux te rendre fière. Je suis déjà fier et heureux de t'avoir comme épouse. Je me fiche pas mal. Bijoux en or ou en diamant que tu achètes. Tout ce que je sais, c'est que tu es vraiment parfaite pour moi comme épouse. Et je t'aime énormément. Je t'aime aussi, chérie. Tu sais quoi? Essayons juste d'oublier cette histoire d'argent. Je veux que tu sois heureux, ok? Non. Je veux que tu sois heureuse. Qu'est-ce que 400 000 naira? Je te donnerai l'argent. Oui. Merci, bébé. Merci. Merci beaucoup. Je t'aime tellement, bébé. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi. Mon rayon de soleil. Je vais aller te chercher l'argent maintenant. Oh, ok. Je t'attends. Ok, je reviens. Je t'attends. D'accord, chérie. Je t'attends. Hey, tu n'as pas besoin de faire ça. Maria sera bientôt là. Ah non, ce n'est rien. Je fais cela chez moi chaque jour. Bonjour. Bonjour, j'espère que tu as bien dormi. J'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes vraiment très très beau. Oh, c'est vrai? Merci. J'ai une réunion en ville, donc... Ah. Oui, je rentre dès que je termine. Ah, ok. Ah, ça doit être Maria. Ah, bonjour, Tata Maria. Bonjour, ma chérie. Tu as l'air en forme aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Bonjour, Maria. Comment était la nuit? Bien, monsieur. Et la vôtre? Elle était superbe. Maria, je... On se voit plus tard. Monsieur, et le petit déjeuner? Oh non, je... Ça va. Ça va. Bon, on se voit plus tard. D'accord, bien. Monsieur. Est-ce que tu balayais? Je suis désolée. Vous êtes fâchée? Fâchée? Non, loin de là. En fait, tu as pratiquement fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Donc, c'est plutôt moi qui devrais te remercier. Ce n'est rien. Je le fais chaque jour chez moi, donc vraiment, ce n'est rien. Très peu de filles de ton âge lèveraient le petit doigt pour balayer, sans parler de nettoyer la maison. Ça prouve que tu as été bien élevée, ma chérie. Merci, Tata Maria. Très bien. Alors maintenant que tu as fait tout ce que je devais faire ce matin, j'espère que tu me laisseras te préparer le petit déjeuner. Au moins pour te remercier, ma chérie.
Ta Mariette est vraiment très drôle. Salut, chérie. Bienvenue. Merci. Je t'attendais ici. Vraiment? Y a-t-il un problème? Assieds-toi. Chérie. Je voulais qu'on discute. Oui. À quel sujet? Au sujet des enfants. Mais ce n'est pas de ma faute. J'essaie depuis. Je n'ai pas dit que ça l'était. Tout ce que je dis, c'est que il est temps de prendre ça au sérieux. Mais je prends cela très au sérieux. C'est vrai. Je veux aussi que nous ayons nos propres enfants, tu sais. Je crois que Dieu le fera. Ah, écoute, ma chérie. Il n'y a pas de temps. Ça fait près de 2 ans qu'on est mariés. Tout le monde s'attend à ce qu'on ait au moins un enfant en ce moment. Tout le monde? Mon cœur. Donc, c'est à cause de tout le monde que tu me mets la pression? C'est bien ça? Est-ce que c'est tout ce monde-là qui va porter cet enfant? Est-ce que c'est eux? Dis-moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste dans ce que je viens de dire? Ne devrais-je pas m'en faire? Je veux avoir mes propres enfants. Je veux porter mes enfants. Oui. Et il n'y a rien que je veuille le plus au monde, plus que cela. Je sais, mais je ne suis pas une machine à bébé. Suis-je une machine à bébé pour pondre des enfants partout? Ce n'est pas comme si j'avais un quelconque problème. Le docteur a dit qu'on ne doit pas se mettre la pression. Tu ne me mets pas la pression, je ne te mets pas la pression et le bébé viendra. Mon cœur. Bébé. Tu sais qu'il n'y a rien de plus que je veuille dans ce monde que de porter ton enfant. Notre enfant. Mais je crois fermement que notre Dieu Tout-Puissant au ciel entendra nos prières. Il nous donnera nos propres enfants. Ok? Amen. Détends-toi. Ne t'inquiète pas. Amen. Le bébé arrive. Amen. Ils viendront, un garçon ou une fille. Des jumeaux une fois. Ou même des triplés. Belle voiture. Hey. Vraiment très jolie. Ah. Salut. Salut, ma sœur. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Ok. Je vois que tu es l'amie de Oga Oscar. Ah, non. Je travaille pour lui. C'est mon patron. Oui. Hey. C'est bien ça. Ton patron. Écoute, Oga Oscar est un homme très gentil et tu es très chanceuse. Merci. Alors, quel est ton nom? Mon nom est Esther. Oh, Esther. Oui. Ma sœur, comment tu t'appelles? Eva. Eva. Ah, ton nom est joli, oh. Ah, merci. C'est ce que tout le monde dit. Ma sœur, dis. Quel genre de travail fais-tu pour Oga Oscar? Enfin te voilà. Je te cherchais partout. Ah, je voulais juste marcher un peu pour visiter la concession. Tata Maria, bon après-midi. Bon après-midi. Comment tu vas? Bien. Monsieur Oscar est de retour et il demande après toi. Ok. Esther? D'accord, à plus tard. Ravie de t'avoir parlé. Ah, Tata Maria, courage. Du courage.
Grosse vache. Vieille sorcière. Chérie, que se passe-t-il vraiment entre Oscar et cette fille? C'est encore quoi son nom? Eva, machin truc. Que veux-tu dire? Chérie, voyons. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué comment tous les deux, comment ils se comportent ensemble. Eh bien, je n'ai pas vraiment remarqué ça. Mais pourquoi est-ce que ça t'intéresse vraiment de savoir ce qui se passe entre eux deux? Pour rien. J'essaie juste de... J'essaie de veiller sur mon beau-fils. Je ne comprends pas. Chérie, tu sais que nous ne savons absolument rien de cette fille. Nous ne connaissons pas sa famille, ni d'où elle vient. Rien que sur elle, et elle vit déjà avec ton fils. Les filles de cette génération, tu sais qu'elles sont vraiment, vraiment désespérées. Elles feraient n'importe quoi pour obtenir ce qu'elles veulent. Surtout un homme. Bien, Oscar, mon fils, est assez grand pour prendre soin de lui. Je pense qu'Eva connaît très bien mon fils Oscar. Cette fille n'est pas de son milieu. Donc, je sais qu'il sait ce qu'il fait. Je l'espère bien. J'espère que c'est le cas. J'espère vraiment qu'il le sait parce que... Bon après-midi. Quelle merveilleuse surprise. Je suis désolée si... Oui. Tu seras vraiment désolée si tu ne laisses pas Oscar. C'est mon boss. Je travaille pour lui. Travailler? Quel genre de travail? Est-ce que tu réchauffes son lit chaque fois qu'il le veut? Chut, tais-toi. Maintenant, écoute-moi. Reste loin, très loin de Oscar. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter Oscar? Ça? Oscar! Maintenant, écoute-moi bien. Oscar m'appartient. Et à personne d'autre. Est-ce que tu comprends? Je m'en fiche de ce que tu as comme plan. Ça ne marchera pas. Oscar m'appartient et à personne d'autre. Alors, arrête de faire semblant d'être une fille bien. Et retourne immédiatement d'où tu viens. Sinon... Sinon quoi? Oscar... Que fais-tu dans mon appartement? Je... Mon ami. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'étais juste... Je ne faisais que discuter avec elle. C'est tout. Tu es malade? Tu es cinglé? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Attends. Est-ce de la jalousie? Je... Oscar. Moi, Lady Di, jalouse de cette chose. Dégage. Sors de mon appartement tout de suite avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. Dégage. Eva, ne te fais pas bien l'amour. Je ne pense pas. Je le répète. Dégage. Oscar, tu m'appartiens. Non, jamais.
Tu me manques, Oscar. J'ai dit, dehors, sors d'ici. Je suis vraiment désolé pour la femme de mon père. Non. Ce n'est pas de votre faute. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... pourquoi est-ce qu'elle me hait autant? Non, tu ne peux pas dire ça. Je ne pense pas qu'elle te hait. C'est moi. Elle me déteste et... elle transfère juste son aversion sur toi. Lui avez-vous fait quelque chose ou... attendez. Attendez, la connaissez-vous autre part ou... non. Parce que je... non, je... Je pense que... peut-être... peut-être que je n'apprécie pas le fait que mon père ait épousé une jeune fille. Alors je me dis qu'elle... qu'elle a dû le remarquer, qu'elle me hait pour ça. Alors pourquoi a-t-elle dit... Oscar est à moi? Pourquoi? Je pense qu'elle est cinglée. Oui, elle est folle. Je t'en prie, n'écoute pas tout ce qu'elle te dit. Peut-être que je devrais partir d'ici. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'elle pense que je suis votre petite amie. Alors, je devrais partir. Oui. Non. Tu n'iras nulle part. Écoute-moi, j'ai droit à cette concession, comme n'importe qui d'autre. Alors, si je dis que tu vas rester ici, tu resteras ici. Je ne compte laisser personne te menacer. Et je te promets que ceci ne se reproduira plus jamais. Ok? Ok. Viens. Ça va, ne pleure plus. Entrez. Bienvenue. Comment était votre journée? Ma journée était belle. Et comment était la tienne? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire pour en savoir plus, comme vous l'avez dit. Oui, ça c'est... c'est très bien. Je vous ai préparé le dîner. T'as préparé le dîner? Je suis allée au marché avec Tata Maria et... on a acheté des provisions. Comment as-tu eu l'argent? Vous me donnez de l'argent chaque semaine et j'ai pas grand-chose à faire avec, à part épargner. Et je me suis dit que ce serait bien, alors je suis contente pour ça. Waouh, tu sais quoi? Tu réussis toujours à me surprendre. Vous n'aimez pas non, ça? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis juste surpris que tu aies utilisé l'argent pour... parce que je me suis dit que vous ne devriez pas attendre de la nourriture de la maison principale alors que je suis là et que je peux cuisiner. Alors pourquoi n'auriez-vous pas un repas frais et chaud? Mais je suis désolée si vous n'aimez pas ça et non. J'espère que... cesse d'être excusé pour rien. Merci. D'accord. Alors, je vous apporte votre repas maintenant, non, ou bien... Je prends d'abord ma douche, ensuite, je dégusterai ton repas. Ok. Ouais. Donc, tu peux servir à la salle à manger pendant que okay. je prends ma douche. Oui. D'accord. D'accord. J'ai grandi sachant que mon oncle Pat avait perdu sa femme et sa fille dans une terrible agression. Il était et est toujours très proche de mes parents. Depuis lors,
Il ne s'est pas remis de cela. Il a vraiment dû beaucoup les aimer. Ouais. Malgré que tout le monde, depuis plus de 20 ans, lui dit d'aller de l'avant. Se remarier, rencontrer quelqu'un d'autre, refonder une famille. Je ne sais pas, il est... Je ne sais pas. Il... Ce n'est pas facile d'oublier ce qu'on aime. Et peut-être plus dur encore de retrouver l'amour. Que veux-tu dire? Je pense que quand on donne son cœur à quelqu'un, c'est très difficile de le reprendre. C'est comme moi. Je t'ai donné mon cœur. Alors fais de ça tout ce que tu veux. Je t'aime. Épouse-moi. Oui, Eva. Eva, épouse-moi. Et laisse-moi t'aimer pour toujours. S'il te plaît. Oscar, nous ne pouvons pas nous marier juste comme ça. Eva, épouse-moi. Écoute, Eva, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Juste toi et toi seule, s'il te plaît. Tu m'aimes et tu ne veux pas m'épouser. Oscar, je t'aime de toute mon âme. Et je ne peux rien faire sans toi. Je serais la femme la plus heureuse du monde si tout ce que j'avais à faire chaque jour, c'est aimer. Mais tu sais, c'est très soudain et puis écoute, les gens doivent... Écoute-moi. Écoute-moi, bébé. Écoute, bébé. Je me marierai avec toi si c'était possible demain. Et tout ce que j'attends de toi, c'est un oui. Donc je vais encore te demander. Oh mon Dieu. Eva. Veux-tu m'épouser? Oui. 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 Merci, bébé. Merci. Nous devons attendre, ok? Merci, bébé. Merci. Je ne sais pas ce qui retarde ces gens. On attend depuis 15 minutes. Bébé, il doit avoir des bouchons. Tu sais que parfois ils sont terribles. J'aime quand tu me remontes le moral. Oh, tonton. Hey. Non, je suis en colère contre toi. T'es jamais venu me voir depuis que t'es rentré. Désolé, tonton, je... Bon après-midi, monsieur. Oui. Moi, c'est Patrick Phillips. Eva Obi. Oh, c'est intéressant. Eva est mon assistante personnelle, tonton. Oh, super. Ça a l'air intéressant. Mais tu sais que je suis assez vieux pour t'accoucher. Je sais. Et je suis désolé, tonton, je te demande pardon. En fait, je comptais venir chez toi pendant le week-end. En tout cas, ton père m'a parlé de ta nouvelle société de médias. Comment ça se passe? Les choses se passent bien. Nous avons commencé à produire du contenu et c'est l'une des raisons de ma présence ici. Je suis censé rencontrer quelques-uns de mes associés. Tu sais, je les attends ici depuis. Je suis sûr qu'ils seront là, peut-être d'un moment à l'autre. Oui, nous avons une brève réunion avec eux. Ça a l'air intéressant. Oui, j'aimerais que tu en fasses partie. Je veux dire, je le veux vraiment, ça me ferait plaisir. Mon garçon peut parler à faire. Oui, tonton. Ça alors Est-ce que tu veux un truc? Oh oui, je viens ici tout le temps. Mais comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu ici? Non, c'est ma première fois ici. Ok, oui, c'est près de mon bureau. On a juste choisi cet endroit. Ouais, voyons voir, qu'est-ce que vous prenez?
Ok, barman, avez-vous... Papa, j'aimerais te parler. Il y a un poids que j'aimerais enlever de mon cœur. Vas-y, fiston. Je suis tout ouïe. Je vais me marier. Quoi? Je veux dire, vraiment? Tu es sérieux? Oui, papa, je le suis. Intéressant. Vraiment intéressant. Eh bien, mon fils, tu es assez grand pour te marier. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi. Très intéressant. Félicitations, fils. Merci, papa. Très bien. C'est super. Merci, papa. Alors, qui est cette mystérieuse fille? Eh bien, tu la connais, papa. Je vais me marier avec Eva. Oh, Eva. Intéressant. Intéressant. Sois le bienvenu, mon fils. Merci, papa. Notre fille nous a dit plein de bonnes choses à ton sujet. Je suis content de te rencontrer. En vérité, papa, c'est un plaisir de vous aider à soutenir Eva. Veux-tu l'épouser? Oui, papa. Avec votre approbation, bien sûr. J'aimerais l'épouser. Tu n'as besoin d'aucune approbation du moment que notre fille accepte. Merci. Merci. Merci, papa. Merci, merci. Papa. De rien. Merci, maman. Merci, maman. Merci, papa. De rien. Je te l'avais dit, tu vois. Je te l'avais dit, oui, n'est-ce pas? Tu l'as dit. Est-ce que tu l'as dit. Ah, ah. Tu ne devrais pas faire ça. Ah, je veux le faire, Tata Maria. Arrête de me traiter comme un œuf. Je sais que tu n'es pas un œuf. Mais tu n'es pas censée être ici avec les servantes. Et qui l'a dit? Ah, les servantes ne sont pas des êtres humains. Dis ça, Lady Di. Sérieusement, parfois je me demande pourquoi cette femme est aussi sans pitié. Ah. Quand elle arrive à la maison, tu vois comment tout le monde essaye d'entrer dans son trou pour éviter de croiser son chemin. Ah. Mais pourquoi est-elle comme ça? Ma chère, oh, je ne sais pas. Oh, Dieu. En tout cas, je prie qu'un jour, Dieu touche son cœur. Amen. Tata Maria, amen. Parce que... Très bien, maintenant dis-moi. Tu te prépares pour ton mariage? Eh bien, Oscar ne veut pas un grand mariage et... Je suis d'accord avec lui. Mais il n'a pas encore choisi une date. Tu sais qu'il vient juste d'offrir son entreprise. Qu'est-ce que... Désolée. Désolée. Désolée, d'accord? Désolée. Désolée, ma chère. Désolée. Est-ce que tout va bien? Tu es malade? Je ne sais pas. Je me sens comme ça depuis deux jours. Parfois, j'ai l'appétit. Parfois, je ne l'ai pas. Parfois, j'ai envie de vomir, surtout le matin. Mais je ne me sens pas malade. Je ne sais pas. Tu es sûre que tu n'es pas... enceinte? Hein? Non, je ne suis pas enceinte. Non, peut-être que c'est la malaria. Tu crois? Tu en es sûre? Je ne suis pas enceinte. Non.
Es-tu vraiment sûre de ce que tu dis? Ma, j'en suis sûre à 100%. Je l'ai entendue de mes propres oreilles pendant qu'elle discutait avec Tata Maria. Intéressant. Elle a même vomi plusieurs fois. Elle ne faisait que vomir partout dans la cour pendant qu'elle discutait. C'est bon, tu peux partir. Merci, madame. Tu n'auras pas cet enfant d'Oscar. Jamais. Où est-ce qu'elle est? Oh. Où étais-tu passé? Je te manquais déjà. Je ne suis pas d'humeur maintenant. Où étais-tu passé? Tu es parti depuis le matin et je n'ai cessé d'appeler ton numéro. Et il ne passait pas. Pourquoi? Et? C'est quoi toutes ces questions? Tu ne me fais plus confiance? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Eh bien... Je t'inquiète que peut-être quelque chose de mal t'était arrivé. Oui, j'ai éteint mon téléphone. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Pourquoi est-ce que tu as éteint ton téléphone? Mon téléphone était éteint à cause de... C'est pour ça. Qu'est-ce que c'est? Tu es sûr, chérie? Tu es sûr? Es-tu sûr que c'est vrai? Tu sais juste me crier dessus, hurler. Où étais-tu? Tu es fâchée contre moi maintenant. Pourquoi je ne serais pas fâchée? Pourquoi je ne serais pas? Je suis désolée. Tu sais, tu es partie de la maison quand j'ai dormi encore. J'ai essayé de t'appeler. Je m'inquiétais juste que quelque chose te soit arrivé. Allons. Ah! Mon beau chocolat, vanille, crème glacée. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux de la terre. Je vais devenir papa. Je te ferai une surprise. Oui. J'adore ça. Tu vas cuisiner une autre soupe pour moi. Oh, cette soupe aux légumes était succulente. Je t'assure, elle était délicieuse. Tata Maria, tes mains sont bénies. Fais-moi confiance. Tu sais quoi? Je te promets, je vais t'en cuisiner aujourd'hui. Ah! Merci beaucoup. Alors, comment vas-tu? Ah, bien. Je peux voir que tu te portes mieux. Dis, c'est à toi que je pars. Où est-ce que je suis en train d'aller? Soit c'est elle, soit c'est moi. Mais c'est quoi ton problème? Cette maison ne nous suffira pas. Eva, toi ou quel que soit ton nom, attends, donc tu crois que tu peux faire du mal à mon bébé? Tu crois, dans ta tête là, que tu peux réussir tes plans maléfiques sur moi? C'est ça que tu penses? Tu crois que je ne sais pas que tu es mauvaise? Tu crois que je ne sais pas que tu es une sorcière? Qu'est-ce que j'ai fait? Les gens ne vont pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans mes rêves. Dis-moi, donc tu penses que tu peux me faire du mal? C'est ce que tu crois? Je ne... Tu fais semblant de ne pas comprendre.
ce que je dis? Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? La prochaine fois que je te vois dans mes rêves, hey, tu vas comprendre pourquoi on m'appelle Lady D. La prochaine fois que tu montreras encore ton laid visage là dans mes rêves, est-ce que tu comprends ce que je dis si je te vois encore dans mes rêves? Madame, je vous en supplie. Est-ce que tu vas fermer ta sale bouche? Qui es-tu pour me dire ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que tu as frappé sur ma femme? Je te demande, est-ce que tu as frappé sur ma femme? Dis-lui de rester loin de mes rêves. Dis-moi si tu l'as frappé. Dis-lui de rester loin de mes rêves, tu comprends? Oscar, c'est bon. Viens, on y va. Arrive. Arrêtez quoi? Ma vie est en danger, tu me demandes d'arrêter? Arrêtez quoi? Je dois cesser cette folie. Quelqu'un menace ma vie. Quelqu'un veut tuer mon bébé et tu veux que je me taise? Jamais. Jamais. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Ce n'est que le début. Je viens juste de commencer avec toi. Viens. Je suis désolée, chérie. Je te verrai plus tard, d'accord? Que signifie cela? Que signifie tout ça? Qu'est-ce que signifie quoi? Ne me pose pas de questions dont tu connais déjà les réponses. Je ferai n'importe quoi pour me protéger, moi et mon enfant. Si seulement tu t'en souciais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois qu'en accusant une personne sans avoir les preuves, Quelle preuve? De quelle preuve ai-je besoin? De quelle preuve ai-je besoin? Mais par tous les dieux, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi deviens-tu soudainement paranoïaque? Pour rien. Veux-tu dire à tout le monde que tu es enceinte? Écoute, je ne resterai pas... Papa! Je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Avertis ta femme de ma part. Oscar, calme-toi, je t'en prie. Ce n'est qu'un malentendu. Je m'en fiche de savoir. Oscar, c'est ma femme. Avertis-la. Oscar, avertis-la. C'est ma femme. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle me méprise à ce point. Qu'est-ce que je lui ai même fait? On dirait qu'elle me fait la guerre pour quelque chose que je ne connais même pas. C'est comme si je lui avais pris quelque chose et qu'elle cherche à la récupérer. Sérieux, je n'y comprends vraiment rien. Mais c'est quoi toute cette... Elle est juste cinglée, bébé. Tu as entendu les employés? Elle est méchante. Mais pourquoi est-elle si méchante envers moi? Alors que je viens juste de la connaître. C'est sa nature. Elle ignore la seulement, ok? Mais j'y sais vraiment. Mais elle m'a accusé de vouloir tuer son bébé. Écoute, je me fiche de ce qu'elle raconte. Tant qu'elle ne te touche pas. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne le fera pas? J'ai le pressentiment qu'elle planifie un truc. J'ai un très mauvais pressentiment à ce sujet. Bébé. Tu n'as pas à te marteler la tête pour ça. Pas maintenant, avec le bébé. Et c'est pour ça que j'ai peur. Bébé. Et si elle fait quelque chose de terrible? Elle ne fera rien. Et comment le sais-tu? Bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne peux pas savoir. Rien ne vous arrivera, ni à toi, ni au bébé. Parce que je suis là, je te protégerai. Écoute, je te protégerai jusqu'à la mort. Ok? Bébé. Hey! Bébé, s'il te plaît, ne pleure pas, tu sais que j'ai mal quand tu as mal. S'il te plaît, je déteste te voir comme ça. Viens, bébé, s'il te plaît, viens. Ne pleure plus. Ça va aller. Ne pleure plus, bébé. Allô? Il y a quelqu'un ici? Allô? Il y a quelqu'un ici? Oh, Eva. Oh, tu es là. Ah, je ne t'ai pas vue. Oui, je viens. T'as demandé à me voir? Oui, viens. Je me demande vraiment ce que Oscar voit en toi. C'est pour ça que tu m'as appelée? Je sais ce que tu es. Tu n'es rien de plus qu'une croqueuse de diamants.
je me fiche de sa richesse. Encore moins celle de sa famille. Tout ce que je veux, c'est son amour. Il m'aime et... Sérieux, il t'aime. Et c'est suffisant pour moi. Il m'aime et c'est suffisant pour moi. Écoute, qui t'a dit qu'Oscar t'aime? Ne pense pas que parce que tu es enceinte de lui. C'est maintenant ton tremplin pour devenir Madame Thomas. Qui t'a dit que je suis enceinte? Mais je sais que tu es enceinte. Eh bien, je suis aussi enceinte. Mais tu sais quoi? L'une d'entre nous ne le sera plus aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Tu perdras ce bébé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Aide! Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Aide! Madame! Madame, lâche-moi! Lâche-moi! Ça suffit! Venez m'aider! Ça suffit! Qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit! Madame! Mais attendez! Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Madame! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Madame, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey! Qu'est-ce? Bébé. Qu'as-tu fait? Oh, non, bébé. Je ne l'ai pas touché. Qu'est-ce que tu as fait à moi? Madame, madame. Je ne l'ai pas touché. Je vous jure, je ne l'ai pas touché. Bébé. Ça va. C'est mon bébé. Ça va. Ça va, ça va. Ça va, chérie. Je ne l'ai pas touché. Je vous jure, c'est bon. Allez, viens. Toi, qu'est-ce que tu as fait enfin? Je ne l'ai pas touché, je vous jure, monsieur, je ne l'ai pas touché. Si quelque chose arrive à ma femme ou à mon enfant, je te jure, je t'écorcherai vif. Espèce de petite peste. Je vous jure, je ne l'ai pas touché. Ok, ça va, ça va. Laisse-moi t'amener. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais. Monsieur, monsieur, monsieur. Allons là. Je vais te... Bonsoir, Chief Bankole. C'est Dr. Femi, monsieur. Je vous appelle pour vous dire que votre femme a perdu la grossesse, monsieur. Je suis vraiment désolé. Toutes mes condoléances, monsieur. Nous avons fait tout notre possible. On n'a pas pu sauver le bébé, monsieur. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je viens encore de mentir. J'espère qu'il ne découvrira pas la vérité un jour. Suzy, donne-lui le chèque s'il te plaît. D'accord. Tenez, voilà. Merci. De rien. Je vous avais dit que je ferais de vous un homme riche si vous jouez le jeu. Eh bien, je dois vous féliciter d'avoir convaincu mon mari que j'étais enceinte et que je l'ai perdu. Oh. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Je suis vraiment ravie. Oh, oui. Une dernière chose. Tu vois, je ne pense pas pouvoir passer la nuit ici. Parce que si je dors ici, je vais probablement mourir. Donc vraiment, je passerai la nuit chez mon ami. Et je reviendrai ici peut-être vers 6h du matin. Donc j'ai besoin que vous me donniez une couverture médicale. Juste au cas où mon mari déciderait de venir me rendre visite ici. Inventez une histoire, n'importe quoi, faites ce que vous pouvez. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème, madame. J'appellerai votre mari pour lui informer que vous avez été placé sous observation médicale et que vous ne rentrerez pas à la maison avant demain. Je vous adore. Vous êtes vraiment très futé, docteur. Très malin. Génial. Bien, docteur, on va y aller maintenant. Merci infiniment. Je vous en prie. Suzy. Ok, d'accord. Allons-y.
tu iras mieux. D'accord? Bébé, je suis désolée. Je sais à quel point tu voulais vraiment ce bébé. Ce n'est pas grave. Tu auras d'autres. Plein et plein de bébés. D'accord? C'est exactement ce que je ne cesse de lui dire. Si, arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu sais que pleurer ne résoudra pas le problème, hein? S'il te plaît. Merci, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Ça va aller. Tu veux te lever? Ok. Bien. Ok. Bébé, je voudrais aller dans la chambre d'amis. Je voudrais m'allonger un moment. Ok, mais pourquoi pas dans la chambre principale? Pour que tu... Non, non, chérie, je voudrais être seule pour un temps. Il faut vraiment que j'y aille. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. J'aimerais que tu restes avec moi un moment, avant que tu ne partes. Passe un peu de temps avec moi, ok? Merci. D'accord, ok. Oh. Ça va aller. Ok, ça va aller. S'il te plaît, accompagne-moi. Bonjour, madame. Esther, comment vas-tu? Je vais bien, madame. En fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui et je vous ai apporté un petit truc. Ah, joli anniversaire, ma chère. Mais t'aurais dû me le dire depuis. Madame, je n'ai pas voulu vous déranger pour ça. S'il vous plaît, je peux m'asseoir? Ah, bien sûr, désolée. Ah, mais t'aurais dû me le dire depuis, au moins je t'aurais offert un cadeau. Non, madame, je ne voulais pas que vous stressiez pour ça. Le meilleur cadeau d'anniversaire que vous pouvez me faire maintenant, c'est de boire ce que je vous ai apporté et de faire une prière pour moi. C'est tout. Ah, t'en fais pas, Dieu te bénira. Amen. Tu fêteras plein d'autres anniversaires. Amen. Très bientôt, tu seras ta propre madame, avec ta Amen. Propre richesse, ton propre argent, ta propre maison. La santé sera ton partage au nom de Jésus. Merci beaucoup, madame. Ça, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Cela représente beaucoup pour moi. Vous n'avez même pas idée. Merci beaucoup. Tu sais quoi, t'en fais pas. Demain soir, viens me voir. Je te donnerai un cadeau. Merci beaucoup. Ok, est-ce que je peux vous servir à boire? Ah, waouh, c'est beaucoup trop. Ah, peut-être, juste okay. Un peu. Ça suffit, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous voulez des croquettes ou du gâteau? C'est très délicieux, je les ai fait moi-même. Peut-être une autre fois. Okay. C'est bon pour l'instant. Bon, je vous resserre plus que j'ai. Là, ça suffit. Je vais boire lentement. Je voulais te demander si ta madame sait que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Celle-là, elle n'a le temps de personne en dehors d'elle. Même pas pour Oga qui est son mari. Pourquoi dis-tu ça? Depuis le premier jour que madame est arrivée dans cette maison, elle bavarde, hurle, se plaint, tu vois, se dispute. Madame Eva, et elle s'est endormie. Qu'est-ce que tu fais avec ma femme? C'est ma copine. C'est ma copine. Bébé. Ne m'appelle pas bébé. Voilà ton bébé. Ton bébé, c'est lui. Je ne comprends rien, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas? Hé!
Tu es un démon. Tu sais jouer la comédie, tu ne comprends pas. Bébé, je ne connais pas cet homme. Crois-moi, s'il te plaît. Garde tes mensonges. Garde-les pour un autre idiot qui sera charmé par son visage. Bébé, crois-moi, s'il te plaît. Non, non, Eva. Tu es une dévergondée. Bébé, crois-moi. Oscar, tu sais que tout ce que j'ai, s'il te plaît. S'il non, te plaît, s'il non. te plaît. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te voir. Je veux que tu ailles dans la chambre et ranges tes affaires. Et que tu sortes non, de chez moi. Attends, attends, attends. Eva. S'il te plaît, écoute-moi. C'est un malentendu. C'est fini. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ? Dégage d'ici. Sors. Sors d'ici. Bébé. Sors. Dégage d'ici. Dehors, tout de suite. Dégage. Je t'en supplie. Oscar, c'est un malentendu. Fous-la dehors. Allez, bébé. Sors. Écoute, va-t'en, je t'en va-t'en, supplie. Va-t'en. Allez, dehors. Oscar, dehors. S'il te plaît. Va-t'en. Imbécile. Imbécile. Tu penses que tu peux venir ici et te mettre à te prendre pour une dame, hein? Tu ne me connais pas. Lady Di, en action. Dehors, dehors. Allez, allez, dehors. Dehors, dehors, partez, partez. Sortez, sortez. Dehors, dehors, dehors. Partez d'ici. Allez-vous-en. Partez d'ici. Partez d'ici. Je vous ai dit de partir d'ici. Est-ce que tu veux les fuir? Imbécile. Oscar. Toi. Madame. Si je vois l'un d'entre eux près de cette maison, tu perdras ton boulot. Tu as compris? Oui, madame. Ferme le portail. Tu ne peux pas continuer ainsi, ma fille, hein? Si tu ne trouves pas de raison, pense au moins ton enfant à naître. La douleur est trop grande, Tata Maria. Elle est trop grande. Je préfère encore mourir que de vivre avec cette honte. Ne parle pas comme ça, Eva. La mort n'est pas quelque chose qu'on puisse souhaiter à soi-même. S'il te plaît, ça va aller, ma fille. Arrête de pleurer. Il faut juste avoir la foi que le Seigneur va combattre pour toi. Et tout ira bien. Oh, Tata Maria, ça n'ira pas. Comment Oscar a-t-il pu me faire ça? Écoute-moi, ma fille. La vie va au-delà de ce que l'on peut voir à l'œil nu. Elle t'a fait du mal, oui. Mais tout ira bien. Sois très forte. S'il y a une chose que je sais dans cette vie, c'est que le mal ne reste jamais impuni. Cesse de pleurer. Tout ira bien. Hein? Mange quelque chose. Je le hais. Je le hais de toute mon âme. Qui? Oscar? Tu ne peux pas le blâmer. Je le blâme pour tout. Il ne m'a jamais aimé. Il m'a juste utilisé comme appât pour revenir avec Lady Di. Je lui ai tout donné. Je n'ai connu aucun autre homme avant Oscar. Je n'ai aimé aucun autre homme avant Oscar. Je lui ai tout donné. Je n'ai couché avec aucun autre homme avant Oscar. Je lui ai tout raconté sur moi. Et Oscar ne m'a rien dit. Par contre, il m'a manipulée. J'étais vraiment choquée quand tu m'as parlé d'eux. Mais tu es sûre que Lady Di dit la vérité? Tu connais cette femme. Elle est mauvaise. Elle est capable elle de... Ne mentez pas, Tata Maria. Elle disait la vérité.
C'est vrai quand on dit que la vérité est amère. Je ne pardonnerai jamais à Oscar. Jamais. Calme-toi, ça va aller, d'accord? Pas ceci, Tata Maria. Pas ceci. Pas ceci. Ça va aller. Ah, dépêche-toi. Tu peux poser ça ici. Merci, ce sera tout. Hein. Va juste continuer ce que tu avais à faire derrière. Tu comprends? Vas-y. Oh, super. Assieds-toi. Merci vraiment. Pas de quoi. Et ben... Voilà. Ah, voilà. Voilà de l'eau pour te laver les mains. Merci. Il n'y a pas de quoi. Oui. Tu ne manges pas? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai déjà mangé un peu plus tôt. Oh. Oui. Je dois bien mélanger tout ça. Sans souci. Voilà, tiens. Merci. Merci, Père. Merci pour ce repas au nom de Jésus. Merci encore Amen. Pour les mains qui ont cuisiné ce repas. Merci pour tout, Amen. Seigneur. Amen. 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 Je sais de quoi tu es capable. C'est vraiment bon, délicieux, hein? Vraiment délicieux. Super. Tu es sûr de ne pas vouloir manger? Non, ça va. J'ai mangé tout à l'heure. Tu veux de l'eau? Attends, je te sers. Tu dois boire de l'eau. Tu es la meilleure cuisinière au monde. Je sais. Tiens. Merci d'être venu. Vous avez fini? Tenez. Je te soulagerai bientôt de tes souffrances. Mais d'abord, tu dois signer ceci. Tu sais, tout le monde pense que tu es à l'étranger à cause de ton état de santé et que tu veux qu'on te laisse tranquille. C'est pour ça que personne n'arrive à te joindre. Dans tes affaires, tout le monde est déjà habitué à me voir diriger. Ah! La nouvelle PDG de la ville. Tu sais, je prends des décisions clés. Je prends des décisions clés. Et ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Eh bien, j'imagine qu'ils croient que ce sont également tes... Mon amour. Enfin,
la liberté que je voulais. Ah! Il est enfin arrivé. Ah! J'ai tellement attendu ce moment, mon chéri. Et il est finalement arrivé. Tu sais, je suis la seule à vivre ici désormais. Oui, moi. Même ton fils Oscar. Celui-là, on ne le retrouve nulle part. Je ne serais vraiment pas surprise qu'il soit retourné à Londres. Ah, putain. Je crois qu'il me manque tellement. Mais d'abord, tu dois signer ces documents. Écoute, si tu ne signes pas ces papiers, je m'assurerai que tu meurs à petit feu. Est-ce que tu as compris? Tu vas signer ces papiers maintenant. Signe! Signe ces papiers! Signe-les, merde! Tu vas signer ces papiers. Tu vas signer ces papiers. Tu vas les... Est-ce que tu me comprends? Désolée, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Doucement, doucement. Ça va aller. Ça va aller. Désolée. Ça va aller. Doucement. Doucement, doucement. Ça va aller, doucement. Courage, sois forte. Ça va aller. Désolée. Allez, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, doucement. Doucement. Courage, ça va aller. Ça va aller. Désolée. Désolée. T'as-tu parlé? Sois forte. Je peux pas le faire. Ça va aller. Je peux pas le faire. Tu peux le faire. Doucement. Doucement. Tu peux le faire. Allons-y. Ça va aller. Doucement. Doucement. Désolée. Allez. Infirmière, comment va ma fille? Elle va bien, elle va bien. Le docteur est avec votre fille. D'accord. Je connais les plans que tu as pour elle. Rien de mal ne lui arrivera. Elle accouchera comme les femmes juives. Oui, je le sais parce que c'est ta promesse. Oui. Mon Dieu. Docteur, comment... Calmez-vous, madame, calmez-vous. Elle va bien. Ok. Elle a accouché un beau petit garçon. Elle a accouché? Un garçon. Tout s'est bien passé, je vous assure. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Félicitations. Merci. Remercions le ciel. On peut aller la voir. Allons-y. Ok, ok. Merci docteur. Regarde-le. Je pensais qu'il voulait dormir. Ne dis pas à lui. Il n'a pas du tout envie. Je l'ai bercé, mais ce jeune homme n'a pas du tout l'intention de dormir. Pas vrai. Les enfants, il a mangé? Oui, bien sûr, je lui ai donné à manger. Ne t'en fais pas, il va bientôt dormir. Celui-là, s'endormir bientôt. Je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Tata Maria? Est-ce que tu as des nouvelles de ta grand-mère? Non, pas depuis que je suis venue ici. Ne penses-tu pas que ce serait sage pour toi d'aller les voir? Au moins, pour qu'ils voient ton enfant. Tu ne peux pas rester fâchée contre pour toujours. Je sais, grâce à toi, Tata Maria. Mais pas de mais.
Pas de mais. Si tu n'as pas de raison, au moins pour l'amour et les soins qu'ils t'ont donnés quand ils t'ont élevé. Au moins ils méritent d'être heureux pour cet enfant merveilleux que tu as. Pour l'amour de Dieu. Et va s'il te plaît, essayer de faire la paix avec eux. D'accord, Tata Maria. Merci beaucoup pour tout. Merci infiniment. Je n'ai rien fait de plus qu'une mère ne ferait pas. Esther? Encore Oscar. Que fais-tu ici? Monsieur, je n'ai plus de boulot. Je cherche des postes vacants par ici. Tu ne travailles plus pour mon père? Esther, qu'y a-t-il? Tu vas bien? Non, monsieur. Pitié. Encore Oscar, je vous ai offensé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je t'en prie, lève-toi, lève-toi. Non, monsieur. Je t'en prie, lève-toi. Tu me mets dans l'embarras. Lève-toi. Oscar, pitié. Laissez-moi dans cette position. Non. S'il te plaît, lève-toi. Hein? Mais quoi? Pourquoi tu fais ça? De quoi es-tu désolée? Monsieur, c'est Eva. Elle n'a fait aucune des choses dont on l'a accusée. Elle a été piégée par les Didi. Aucun Oscar, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Vous pouvez m'arrêter ou m'envoyer en prison. Ma conscience n'est pas en paix depuis ce jour. J'ai menti à son sujet. Elle a été droguée et piégée. Aucun Oscar, je suis tellement désolée. Pitié. Ce n'était pas de ma faute. Je ne l'ai pas fait sciemment. Lady m'a demandé de le faire. Je suis désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ma vie n'est plus restée la même depuis ce que j'ai fait à Eva. Elle était si innocente. Désolée. Pardon, monsieur. Oscar, s'il vous plaît, monsieur. Oscar, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Pour que ma vie puisse être mieux. Oscar. Hey, chaque fois, je dois te chercher. On dirait que tu en as marre de ce boulot. La prochaine fois que je ne te trouve pas à ton poste, tu perdras ton boulot et je ne te paierai pas ton salaire. Dégage et retourne à ton poste. D'accord, madame. Et toi? Toi, tu ne peux pas faire un simple ménage. Tu ne sais même pas cuisiner. Il n'y a rien que tu saches faire. Je me plains encore et encore. Pourquoi je te paie alors? La prochaine fois que je vais me plaindre, tu vas rentrer dans ton village. Dégage de là! Toi! Toi! Toi, méchante femme! Comment tu peux faire ça, Eva? De quoi est-ce que tu parles? Menteuse! Tu n'es qu'une menteuse! J'ai vu Esther et elle m'a tout raconté! Donc, tu préfères croire une simple servante? Qui ferait son possible pour salir sa patronne? J'ai pitié de toi. Tu as encore le culot de te placer devant moi et de mentir en face. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette fille? Dis-moi! Oscar, tu sais quoi? Tu peux croire tout ce que tu veux, je m'en fiche. Tu sais quoi? Te frapper n'est même pas suffisant comme punition pour ce que tu as fait. Tu as détruit ma vie. J'avais une femme parfaite. Parfaite? Oh, voyons, Oscar. Tu étais juste obsédé. Non. Laisse-moi te dire un truc. C'est ta jalousie et ta haine qui causeront ta perte. Mais tu sais quoi? Je vais aller partout et je vais la chercher. Je vais la trouver quand ce sera fait. Je lui dirai à quel point je suis désolé. Ensuite, je lui dirai à quel point je l'aime plus que tout au monde. Et là, tu peux aller au diable. Désolée de te décevoir, mais cela n'arrivera pas de sitôt. Et où est mon père? Esther ne t'a pas aussi dit que je l'ai également tué
et que je l'ai mangé, elle ne te l'a pas dit? Dès que tu finis, pars de chez moi. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Je crois que tu te souviens de l'endroit où c'est vu la première fois avec Oscar. Ok, retrouve-moi là-bas. D'accord. Bonsoir, oh, monsieur. Oui. Assieds-toi. J'espère que tu vas bien, tu n'as aucun problème. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un emploi. Je sais que vous êtes un homme très occupé, je suis désolée de vous déranger. Mais monsieur, j'ai besoin d'un boulot pour prendre soin de mon fils et moi. Tu as un fils maintenant? Oui, monsieur. Quel âge a-t-il? 7 mois, mais j'ai ma tante qui peut s'en occuper. C'est d'accord, c'est d'accord. Est-ce que tu l'as eu avec Oscar? Oui, monsieur. Où est-ce qu'il est? Est-ce que tu l'as vu? Monsieur, s'il vous plaît, je ne veux rien avoir avec Oscar. Monsieur, s'il vous plaît, si vous me donnez un emploi, je ne veux pas qu'il le sache. Mais tu sais, le père d'Oscar et moi sommes amis. Ça, je le sais, mais monsieur, s'ils sont au courant, j'irai là où ils ne pourront pas me retrouver. Ok, d'accord, t'auras le boulot. Mais alors, qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes compétences? Rien du tout, monsieur, mais je ne suis pas paresseuse. D'accord. Tu étais l'assistante d'Oscar quand on s'est connu. Oui, monsieur. Tu as le boulot. Viens demain matin à mon bureau à 8h. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment, monsieur. Oui. Dieu vous récompensera abondamment. Ok, ok. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, j'aimerais m'en aller maintenant. Ok, mais avant ça, je vais te donner l'argent de transport. Monsieur? Tout ça, monsieur? C'est rien que... Merci infiniment, monsieur. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci beaucoup. Ok. Et n'oublie pas de transmettre le bonjour à ton fils pour moi. Bien sûr, monsieur, je le ferai. Monsieur, je sais que vous avez dû entendre ce qui s'est passé entre Oscar et moi. Mais monsieur, je veux que vous me croyez. Je n'ai rien fait de ce qu'ils ont dit. Je n'ai rien fait. Pitié, monsieur. Je te crois. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je serai à votre bureau demain matin à la première heure. Merci infiniment, okay, monsieur. Le plaisir que Dieu moi. Vous bénisse. Le plaisir est pour moi. D'accord. Fais attention. D'accord. J'aime ça. Bonne nuit, monsieur. Au Bonne revoir. Nuit. Ah. Ophélie, s'il te plaît, pas maintenant. C'est d'accord. Peut-être devrais-je revenir plus tard. Oh! C'est vous, mon oncle? Tonton, s'il vous plaît, entrez. Entrez, je vous en prie. Ah! Je vous en prie, entrez. Je croyais que c'était un des employés. C'est bon. C'est bon. Ah! Alors, comment te portes-tu? Honnêtement, tonton, je ne vais pas bien. J'ai appris ce qui s'est passé. J'ai décidé de... N'écoute pas ce que mon père dit, ou sa femme. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges diaboliques pour me pousser à chasser Eva, tonton. Pourquoi est-ce que tu dis ça? J'ai appris la vérité, tonton. Esther, l'une des servantes, s'est confessée à moi. Elle m'a dit que la femme de mon père a tout planifié. Et je suis tombé dans le piège, tonton.
Tonton, je... Tonton, je suis tombé dans le piège. Je ne suis qu'un sombre idiot. Tonton, j'ai fait tellement de mal à la femme que je suis censé aimer. Tonton. Tonton, elle porte mon enfant. Elle porte mon enfant, Tonton. Je ne sais même pas quoi faire maintenant. Je ne sais pas où la trouver. L'as-tu bien cherché? Je l'ai fait, Tonton. Tonton, je l'ai cherché. Je l'ai cherché partout. J'ai même fait passer une annonce à la télé. Mais jusque-là, rien. Rien du tout. C'est d'accord, Oscar. Je suis sûr que quand tu vas tout lui expliquer, elle le comprendra. Elle va définitivement le comprendre, ok? J'espère juste la retrouver. Je veux juste la retrouver. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait, Tonton? Allez, c'est bon, calme-toi. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu peux m'écouter? Voudras-tu bien m'écouter? Oui, Tonton. Je peux te rassurer qu'elle va te comprendre, ok? Ouais. Va-t-elle me pardonner? Fais-moi confiance. Je vais. Fais-moi confiance. C'est bon. Où est-ce que... Oh! Allons! Oh! Vous. Ça va. Vous allez bien? Ça va bien, monsieur. Ça va aller? Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien, monsieur. Où est-ce que vous avez eu ça? Mes grands-parents, du moins, je le croyais jusqu'à il y a peu, ils me l'ont donné. Ils m'ont dit que ça appartenait à ma mère. Ta mère? Et où est ta mère? Monsieur, vous êtes sûr que tout va bien? Est-ce qu'ils t'ont dit qui est-ce qu'elle était? Je ne sais pas grand-chose. Mes grands-parents m'ont dit pour la première fois que je n'étais pas leur fille. D'où Jésus. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient retrouvée près du cadavre d'une femme qui avait été probablement tuée par des voleurs ou des ravisseurs. Et puis ils m'ont adoptée. Wow. Monsieur, vous êtes sûr que tout va bien? Je ne pourrais me sentir aussi mieux. Je ne pourrais me sentir aussi mieux. Cette femme était ta mère. Je ne comprends pas. Nous rentrions d'un événement il y a de cela quelques années. On a été attaqués par un groupe d'agresseurs et ils m'ont tué. Oh mon Dieu. On t'a appelé Makida quand tu es née. Makida? Oui. Et tu peux le confirmer par le fait que tu as une tache de naissance au niveau de ton ventre. Oui. Oui. Mon père aussi l'avait. Tu es ma fille. C'est toi que je cherchais depuis toutes ces années. Viens. Ma chérie. Je t'ai enfin retrouvée. Salut. Et qu'est-ce que tu fais ici? Eva, C'est Makida. Mon nom, c'est Makida. Ah, ok. Je suis désolé. S'il te plaît, Makida, écoute-moi. Écouter quoi? Pourquoi devrais-je t'écouter? Parce que j'ai été idiot. Je suis désolé. Esther m'a tout raconté. Elle m'a dit qu'on t'avait piégé. Ce n'est pas une nouvelle pour moi. En fait, j'ai décidé de laisser le passé dans le passé. Je suis focalisée dans le futur. Et Oscar, tu es ce passé que je veux tellement oublier.
Bébé, je suis tellement désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. S'il te plaît, tu m'embarrasses là. Lève-toi, s'il te plaît. Je suis désolée, bébé. Je t'en prie, pardonne-moi. Voyons, cher monsieur, vous réalisez que c'est ton bureau? S'il vous plaît, levez-vous. Bébé, je t'en supplie, au nom de tout ce que tu as de plus cher. Au nom de l'amour qu'on a partagé, bébé. T'es-tu souvenu de ça, quand t'as refusé de m'écouter? T'es-tu souvenu de ce qu'on a partagé quand tu m'as expulsée et chassée de chez toi comme une vulgaire pute? T'es-tu souvenu de tes promesses? Quand tu m'as chassée hors de ta maison avec ton bébé dans mon ventre en me traitant de prostituée? Je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Te pardonner? J'ai fait cela il y a très longtemps. Mais je ne pourrai jamais oublier. Bébé, je t'en supplie. Je te promets de faire tout mon possible pour me racheter auprès de toi. Pitié, reprenons les choses où elles étaient avant. Oscar, ou quel que soit ton nom, je crois que ton temps ici a été coulé. S'il te plaît, tu dois partir. Eva, je suis désolée. Je t'ai dit de partir. Tu veux que j'appelle la sécurité? Non, pitié, Eva. Va-t'en! Va-t'en. Je t'ai dit de partir! Je le suis. C'est juste que je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. Et tu recommences encore. Jusqu'à quand continueras-tu à l'écarter de ta vie? Jusqu'à l'éternité, si possible. Papa, tu ne comprends pas? Oscar m'a blessée. Il m'a vraiment blessée. Je sais qu'il t'a blessée profondément. Mais tu dois pardonner. Tu dois apprendre à pardonner. Et même la Bible dit que nous devons pardonner. Je ne peux pas. Vraiment, j'ai essayé. Mais je n'y arrive pas. Makida, tu dois essayer encore et encore. Ce garçon t'aime. Il a été dupé. Maintenant, il est plein de remords. Il est une personne différente. Et il t'aime beaucoup. Papa, je ne vais plus rien avoir à faire avec Oscar. Oh. Tu me rappelles mon secret, je t'assure. Je ne suis pas un homme heureux. J'ai perdu la meilleure des choses qui me sont arrivées. Tu sais qui c'était? Ta mère. Mon amour, chaque jour, j'essaie de voir si je pourrais l'oublier. J'essaie si je pourrais juste... C'est très difficile. Je ne peux plus la ramener, mais toi, tu peux reprendre le tien. Tu as un grand avenir devant toi. Tu ne peux pas... Makida, peux-tu trouver une place dans ton cœur pour lui pardonner? Merci. Crois-moi, tu seras heureuse. Ok? Je me souviendrai toujours de ce jour. Merci beaucoup, ma fille. Merci beaucoup. Bébé, banananananana. Oui, Oscar, je... Donne-le-moi. Il doit avoir envie d'être bercé. Viens là. Oui, Oscar, je me fais du souci pour ton père. Est-ce que tu as de ses nouvelles depuis un moment? En fait, tonton, je ne suis pas retourné à la maison depuis que j'ai appris ce qui est arrivé à Makida. C'est étrange. Son numéro n'est plus disponible depuis un an déjà. Et à chaque fois que j'appelle Lady Di, elle me dit qu'il est toujours en train de se soigner en Inde. Le médecin dit ci, le médecin dit ça, et qu'on a dit qu'il blablabla, ce genre de choses. Eh bien,
Esther a dit qu'il est à la maison. Et que le docteur vient le soigner là, je veux dire. C'est bizarre. Moi, je ne crois rien de ce que cette femme dit. Parce qu'il peut être vraiment dans la maison, ou alors elle a pu lui faire quelque chose. Cette femme est capable de n'importe quoi. Cette femme est maléfique. Eh bien, et toi, jeune homme, tu vois mon côté berce. Te dépêcher de trouver ton père. Si tu as besoin de mon aide, je t'en prie, appelle-moi. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Merci. Pas de quoi. Que se passe-t-il ici? Bonjour madame, êtes-vous Lady?